voyage à l'Alto Mercé Dolphin. Et puis sur le sac. Et puis sur le sac j'ai le Dart 250 et un quad de 5 pouces.
Ah, et pas si loin de la catastrophe parce qu'il était posé là-haut. Et il a glissé là 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 et s'arrêtait sur le chemin, sur le petit rebord. Et après il y a un trou qui descend jusqu'à. Là on est à 1008, ça descend jusqu'à 1004 quoi. Donc la recherche allait être pénible. Et je crois que ce qui m'a sauvé là c'est d'utiliser une tripale qui s'est incrustée dans la neige. Ça aurait été une bipale sagement rangée comme ça, je pense qu'il continuait jusqu'en bas. J'entends aucun bip ici. Est-ce qu'il a glissé dans la pente? Qu'il est touché beaucoup moins loin, je suis peut-être beaucoup trop. Voir si c'est pas calé quelque part. J'entends qu'il bip par là-bas en dessous. Là aussi la pente elle est délirante là. Eh ben tout ça parce que j'ai voulu éviter les deux dames qui avaient un chien. Alors marcher dans cette neige là c'est atroce. C'est soit. Oh, c'est dur, on passe à travers. Bon, maintenant le jeu bonus, c'est de rentrer avant le couvre-feu de 18h, sachant qu'il me reste 1h15 et qu'il faut à peu près 1h15 de route. Il va trouver la voiture.